pasi monki mbangu kangani. Elle incarnation du Saint-Esprit, celui qui passe demeura le Saint-Esprit, ne sera jamais pardonné. Mamba est la nouvelle Jérusalem, où demeure la Sainte Trinité. Papa Simon Kimbangu Kiangani, est l'incarnation du Saint-Esprit. Mamba est la nouvelle Jérusalem, où demeure la Sainte Trinité. Papa Simon Kimbangu Kiangani. Yaka, si vous en avez moyen. Dengue va kangisa biso Angola, RTC, Brazzaville, Oyogika, Yaka. Présence de Dieu à Moutra Praza, c'est nécessaire. Présence de Moutra Angola, c'est nécessaire. RTC, nécessaire. Toyokanye? Jamais to kabola. Kuna pe to vanda ka kolobaka teke a ngaza kongole ya Praza. A nga kongole Kokabolate. Na lingomba frontières alité. Frontières ali? Ma porte nyonso. To zali ka mutu moko. Suko kaboli na miso nzambe za malamu te. Peut-être na liseki osakani na yo. Ah. Mais o ya si motema anga na kaboli oza angolais. Anga na kaboli oza congolais a Brazza. Oh, Congo RDC non. Sur le Salibongo, au PBC. Pambate les trois Congo et au temps Afrique, Afrique, au Kilimo Bimba. Alors, sur le Bimbi, au Sam, au Sam. Qui n'ont pas été la photo.
Na kombo ya tata mwana pe tata muli mosante tokolo ba mingi te na ba montre comme 15h10 na yango to landi maté na biso ya mukolo alelo tata pasteur a te biso abandela ki na nzembo ya bayuda ake na mibeko pe mama likambo ya maté na biso to kende nango to bomba pe to salela yango na yango esengo na biso pamba te tata nzambe si akanisi la biso likambo yango to bomba yango to salela yango to simba yango makasi tata pasteur akendaki mosika ezali ntango na yo kosepele kozala soki to bateli me soki to bateli te a pasi eye pamba te koya ya tata Simon Kimbangu na mokili batunaka ye nana tindi yo na mosala oyo ozali kosala ye mpe alobi nkolo Yesu mutatindi ngai nazosala mosala na nkombo ya nkolo Yesu sango ya nkolo Yesu ekene na mokili mobimba elelo oyo tala likambo tata molimo sante ayelaki eke na mokili mobimba yango tolobi ezali ntango na yo bomba mpe tosalela yango mpona biso baétudiant merci mingi c'est vrai na 60 ezalaki passe avant même 60 le col tata Simon Kimbangu abandaki musala na ye na 21 na ntango wana soki olobi kombo na ye fo bakanga yo na lere wana akangamaki ekobanga ezalaki na bato bana po batanga etanke yo olandi Simon Kimbangu oza na place te kobengana ezala na misala ezala na classe difficulté ezalaki mingi me nzambe ndenge yango ezalaka likambo nyonso eza na ntango nango kino ntango na biso mpe ekokaki baklasse eye kobima bopito eye kobima to badispensaire ebandeli toujours ezalaka pasi pwelele pwelele likambo mpe etamboli ndenge esengeli kino mokolo ya lelo biso mpe tokobosanaka nzambe na biso te pamba te ye moko alobaki yango na 21 ke botanga ezalaki ndenge nini le 6 juin mondela auti mbanza nguba ye kokanga ye me lokola ntango ekokaki te kendaka na mbanza nsanda trois mois asalaki nkolo Yesu alobi na ye ntango na yo sikoyo ekoki zonga okende kokangama nzela nzela toyebi histoire akomi na gombeli te te maloba oyo ye abimisaki bana oyo bazalaki na classe baningani don na bapatima na mabele ezali koningana maloba ya pamba e oyo nyonso abimisaki bayokaki yango tala distance ya nzela moto azokende na ngungwa kimbanda
et quand les aïe pas et mon sous me voit naïe yokani makas malobanion se yokani makas ale ki naïe classe mobima et bimi balandie te la moua gimbana batala bana baye la solo na bana alubi bana bozonga bokendo kotanga alubi te bisuto kende le susute abonde li bango bana babimi batana na likolo okave moni yo papa uzo ko benga na biso me tala makambo nane koma mina likolo batala okave okakana nzambe uvangama oyo akanaki kosala ekosalama ebongo bana balubi bon likambote lokola yo lobi biso tokei pe lobamaki ke boko mokili oyo biso moko tokotambusa bokozala mutu monene tala likambo ezalaki nini maloba mpo nzambe liboso maloba profesi ekoya apres makambo nde emonana ata ewumeli me ekosalama lelo yo toza koloba basavant papa mfumalongo papa diyangi enda kuntima abengisaka basavant ya mokili mobimba embala liboso nani asangisa basavant na mokili azali te me papa diyangi enda asalaki yango basavant ntango baye presque bazaki bamindele tomonaki moto mwindo nakanisa moko tata moko mituna mpe ezalaka mingi wae papa alobi ya moto mwindo mpe azali ebele biso mabondele na biso baya bamonana totala bango basala mosala moto mwindo mpe oza na elembo ya kosala likambo yango wana bandeko na biso tosepeli mingi liboso nani nzambe oyo tozosala ke toye pa ya nzambe toye kozwa nguya mpe makasi na oyo basilisa na oyo basilisa nano te baza kotanga totyaka liboso nzambe ntango otye nzambe liboso oyo etikali ye moko ya kopesa ndenge pasteur ateyi biso sagesse ezala intelligence ezala c'est vrai nzambe mutu apesaka yango lelo loposo mwindo tolobake eza na tata moko azwaki écriture mandombe toyebi ndenge nini azwelaki yango ndenge nini nayelaka na nkamba sikoyo mpona kopanza yango na mokili mobimba likambo nyonso babundisaka yango fin de fin nzela kaka ekomonana mpo eute epai ya tata nzambe baoyo babandaki deja kosala misala na bango babandaki na écriture me likambo moko nayokaki na kinshasa esepelisaki ngai eza tata wa beloadio na tata professeur kuna na ipen baza na biso awa na mwana na biso ndeko na biso étudiant oyo basalaki kuna tata bamwinikiese alors sango wana eke na ngai nayebi te soki yango elekelaki ndenge nini soki maregreler ekei toyoka ta moke tata wa beladio soki azali soki ye moto akobenga tata professeur baoyo bazalaki kuna elekaki ndenge nini esengo nini ezalaki kuna na ipen mpo nga deja naza au courant tata wa beladio azali buta bamwinikiese azali telemanano toyoka moke parce que ndenge biso nyonso baétudiant tozali awa makasi ya motu ntango bapesi yo likambo soda azongaka nsima te asali molende lisalisi ka meme eyaki na tata professeur menga nalingi nayokela yango na ye moko pamba te nga mpe na commune lokola bino marigre nayokaki yango eza likumbu oyo na biso bato mwindo écriture ebimi tata obelodi mpe ngaikiti
Oui, que tu veux que tu aies dit ça. Des sous des fruits d'un corps qui est là. Si tu le lèves qui caca. Pour les camois qui toquent, il y a qui toquent. Parce que les camois, ils ont une salle et ils ont une valeur. Valeur est où tu n'as pas de mon monsieur, tu as un peu de pam. Mais tant que tu as inventé Babiloko, ah, écriture, il faut les aller. Sans écriture, les camois, ah, comment on a pam. Mais nous avons un bon ici déjà. Ce que ça va pas en Anzela. Pour tout le monde, il y a déjà écriture. Et qui dit Bobo, qui dit Kaboyeko, mon qui a longue âme, qui n'a pas de gang. Mais quand nous expliquons ça, malgré l'air et qui. C'est très important, la bisoba toujours y école. Toujours qui message yaba professeur. Bandima qui travaille na biso écoute na ipe. Et singela qui ndiko na biso ba munikese à défendre écriture négro-africaine ya papa Simon Kimbangu. Dans le département, il y a langue. Kasi, il y a difficile. Parce que le professeur, il y a soutenir parce que le monde qui a dit qu'il y a Sika, il y a une documentation. Quand il y a un professeur, il y a un professeur. Balobi et Kokiko Zala soutenu la université na faculté na bisoté pambaté documentation zalité ba yebisi a changé sujet tant wa sayinde wana ayoko yebisangai ngana lobi na ye meka ko trouver ba professeur mususu expliquer bango nani akoko ndima asali sa biso po travail na biso et kota kuna parce que soki koti mingi va découvrir papa Simon Kimbangu à travers l'écriture oyo munene na ye akende ki lisusu akende ko trouver professeur oyo ba ye na ye tango expliquer malgré ba professeur mususu ba zalai ko boya mais oyo ba ye na ye alors bon li kamboté ngai na ko meka ko soutenir ngo na ko tala soki. Et vous allez nous donner une banana pour préparer le travail. Alors, de temps en temps, il y a des gens qui ont été pour nous couper la réponse à la question que vous posez sur la révélation. Je suis en train de faire le travail ici. Je vais fixer la date pour défendre. Malchance, Mukolwana, semaine wana, mwana noko nanga kufi ya 40 ans. Et noko zala kapsang, nga muna zaiko bongisa makamu matanga niyo swala, nengen noko senga kina bongisa nguna telefon. Shiko yu dati ya conference ya koki, ba bengi nga nga lobi, menasala matanga shiko yu nakosala ndengi ni ba lobi, ili foka ko zala paske, ba professeur mingi ba zali awa, ba yebe kritiru wana te, yofos à la pône à compléter ou l'axa d'engini aux lagi écriture ou en appel d'engini ne fonctionne pas. Heureusement, avant trois jours, tant où il y a cinq agingaï contribution à la lobby, n'a koufeli cousine n'angaï, moi n'a noko, n'a pas bon sa macamunion, sauf vraiment à cocaté, ben en camp à papa salisabiso. Parce que pour se défendre, cinq à focus à la moyenne, ne to ben agin en camp. Papa, merci beaucoup. Papa a tiré la gibisson en enveloppe. Bango moko ba étudiant ba soa ki moko wana ba organisa ki yango kitoko. Alors tango ba lobi salan no ki oya parce que lelo il faut défendre ezala me yo fozala. Contenir ba préoccupation na koma ki mwa muke na retard. Balobi loué kaka taxi biso to kufuta awa ndé nazwa ki taxi express ekina kotika nga kuna na taxi express ekina kotika nga kuna na ipen même chauffeur taxi tant on a koma ki akamwa ki parce que ba etidia ba yoko selanga tina porte ya entrée ya ipen
Et tant que le taxi est commis, il y a des gens qui taxi, le président de la République a commis. Il y a des gens qui ont été commis, il y a des gens qui ont été commis, il y a des gens qui ont été commis. Il y a des gens qui ont été commis, il y a des gens qui ont été commis. Il y a des gens qui ont été commis, il y a des gens qui ont été commis. C'est la même chose. Quand on a zoomé. L'écriture, c'est la révélation de la Simon Kimbangu. Après ce que je suis en train de faire, après ce que je suis en train de faire, pour que je suis en train de faire, la base de la développement. Et pas être celui-là, ma connaissance n'y en soit pas de la biloko et n'en dégne. N'a pas si bon n'a qui s'en a le biloko la tozali n'a faculté de lettres. Binoa ou aboza ko étudier ba langue. Mengaï n'a zoaki révélation moko, que ba langue n'a biso ya kikongo, langue n'a biso kikongo, et zali langue moko, scientifique ma bomba mise en akati. N'a zoaki on a révélation. Papa Simon Kimbangu m'a dit que la Ayebisinga itala na kata balanga na biso okumuna mabomba mieza kuna me ezalist ba mabomba moko scientifique na base écriture negro africaine okuyebela yango ne banana zwaka revelation wana na banaki kotidie kaka balanga na biso kikongo na zako tidie langa na biso kikongo kintandu kindibu kiyombe na zako tidie etina yako découvrir ke ya solo za balanga scientifique. Nazolo bango na kombo ya Nzambe papa Simon Kimbangu mutaye ko yebisanga ke mabomba meza na balangi na biso liye kula yango me ayebisaki ngai teke ezana lang boy kaka lobaki na balangi na biso banda ko yekula yango na bandi ko yekula na bandi ko yekula na bandi ko yekula na bandi ko yekula nde na yebisaki ba professeur tala mabomba meza na balangi na bino na balangi na biso bino moza na département de langue me mabomba miwana mingi bo yebi yango te na lagisi bango na lobi na kominga bin na yebisi bango bi écriture mando meza ba principe mibale. Principe de miroir na principe optique. Mais tant on a joué, momoko ya kikongo, na saliango ba moya kikongo, quelques moya kikongo, na saliango étude, na yoko comprendre que ce que tu joues par exemple kombo ya nkuta, bisonyo to yebi nkuta, ba mamaso bazo teka makala, ba tsaka ba nkuta, ba makemba, ba nkuta makemba, nkuta nguba. Alors nkuta wana, soko ozui lettre N, au garde, aux juifs syllabes un coup, na syllabes un temps, sur une rotation, comme un miroir et ça la critique mando mais ça la ka 5 comme à 2, 2 comme à 5 et change à ka. Sur une coup na nta ou 5 ici, au balo liango boye et go sala nta. C'est-à-dire, maman soka tient un coup dans la balabala, ya makala soit ya nguba, c'est gazako luka nta ku, c'est un akat yang kombo yang kuta, sur une rotation nta ku, comme même la yé, pétrole te, comme même la yé, mungwa te, même la yé, nta ku. En kuta mutu soka chama na balabala achaka toujours prix prix yango nde babengaka ntalu na kikongo parce que mutu akosomba ko tuna nkuta oyo combien mutu akoteka ko lobake ntalu ezali 20 francs ou bien 50 francs or na ntalu wana ne mutu azwila kama yele ya kozwila bénéfice et na ntalu soko sali rotation ya ntana nlu o garder un et ko sala nluta. Nous avons un bénéfice en français. Et tant que ça, la rotation, c'est-à-dire, si vous avez un coût, il faut que vous ayez pris. Prix est allé, n'talou. Si vous avez un n'talou, ça va m'aider parce que n'talou, vous avez un bénéfice, vous avez une rotation, n'luta. Et ceux qui ont une luta, ils ont une luta, ils ont une luta, ils ont une luta, ils ont une marchandise, ils ont un coût, ils ont un bel, et puis ils ont une luta, donc il y a une rotation. Alors, moi, ba koko ba bomba ka yango parce que bazaka na écriture te ba moiza ebele na koko cité par exemple kola ba mpaku to yebi biso nyo to futa ka mpaku l'état luka kazwa mbongo ebele or mpaku soko sali rotation ya mpaku ezali kumba c'est à dire l'état zako kumba mbongo pour que ça l'était comme na mbongo ebele mpaku est égal kumba donc voilà ba moiza ebele to découvrir. Alors là, la laxa qui n'est pas un professeur, un bête qui m'a beaucoup passé, qui n'a pas été bref, et puis la laxa qui bango, dimension écriture, n'a pas un avantage dans l'eau. Parce que n'a pas écriture, n'y a pas de kili, il y a biso qui n'est pas un ton. C'est-à-dire, ceux qui m'ont dit, il y a un bongo, au commis, il y a un kanda, il y a un kanda, il
tango kufungu la mukana fwa yeba ke muta akomini nga mukana asia yebi genga na salima be pa ambate akomi yangu na ton. Donc ce sont des avantages de notre écriture. Alors na yebi sa yeba professeur que ce qui est étudiant oyo apo na rasige oyo te ndenge nini bino ba professeur ba wako yeba munene papa simo gimangu pe boko yeba munene mabomba mi oyo zana ba langa na biso batu mwindo kola ndenge na lakiseli bino nde ba professeur ba sepela ki ba tellement qui sur place ba lobby l'étudiant a réussi, le travail est accepté dans notre département. Bravo et betami to yambani wana nde to kene ko melamo ba koka. Voilà ndenge le kelaki professeur, merci beaucoup, parce que notre souci que le monde entier découvre papa Simo Gimbangu, les actes de puissance de papa Simo Gimbangu, parce que l'homme noir demeure un rebut de l'humanité par manque de connaissances, alors que les connaissances viennent de Dieu. Et Dieu, c'est papa Simo Gimbangu qui s'est fait homme pour nous révéler les choses cachées que nous les noirs, nous ne savons pas découvrir. Et comme nous avons notre Dieu, papa Simo Gimbangu, nous qui avons compris, nous avons essayé de mettre notre sagesse pour que papa Simo Gimbangu puisse demeurer avec nous en nous révélant les bonnes choses. Et c'est ces choses-là qui vont faire de nous de véritables partenaires du monde. Et nous l'avons déjà démontré à travers le monde. Et le travail de cet étudiant, nous souhaitons vraiment que vous puissiez bien l'encadrer et faire en sorte que, de votre côté aussi, vous puissiez organiser des conférences sur cette écriture à partir de ce travail, afin que les autres étudiants de différentes universités découvrent la grandeur de Papa Simo Gimbangu à travers ce travail que l'étudiant Bamounike a réalisé. Merci beaucoup, professeur. Merci, Tata Wabeloa Diou. Elingyo Lobanini, Valère et Ayo Moutoumouindo et Zali. Ozo Kene Nanzela, Yo Lobi Tikana Kende Zand. Kokende Ozo Kende, Eloko Nine Kolaxake, Zandu Komi Pembeni, Matiti Akoko. Obadio mona yango lubike zandu ya wana tikali muke mona yango biso mpelo kola batu mtu mwindu to sala makasi na mabondeli etikali muke ndenge na lubaki ebandeli ezaki maloba apre likambo yo kumona na ata iwumeli meko salama to zange lokote. Nyonso tuza nango pembeni. Tangu mususu toko mwona kiba frontiere kukangama. C'est vrai kukangama. Esiko ubisu tusala ke loko mwokote. Trafik suge zalite, mwaya kufivre zalite. Me mwaya zali. Tuza kuye kwa lapona nini. Toko sala biloko andenge na ndenge ya makamusi. Kolo tofeta kina bona ne mama mbenza asali mikate na ye mi mikate yango farini te nini te manioko kaka alors na manioko wana ati solution kaka ya yolo biloko tosali laka posu kina lobi yango manioko ya batu yikono kusila na zamba na recherche na ye. Tole ya moto mwini ki, kulika kutu ya kaya farini. Eliki. Me, hii asali ya mwini kana bi simple. Ndike tole ya kaya gato ya kominyo. Ye, tolubika kaya manioko. Oya sukali, oya bololote. Ugunu sisa manioko ya batu. Ndike ya mwana pasi zaliko ya. Mukiri balubi pasi zaliko ya. Me, biloko niyo suzana mwini pembeni. Na mosikate. Eko sali sabiso. Natango zuye loko, sali yango. Ufuche ekritire. Ekritire wana ibimi pona ete. Mokili nyosi kukenda, haa, ekritire uye zaka batu mwindu. Loko ibimi elikuna. Nde yangu wana, Zambia kukosa kate, makamuna yeza na nzela. Tuo saraka makasi na mabondeli. Nakacha bolingo mipeko mpe misala, tata mwana pe, tata mwalimu santo. Amen. Bon, merci beaucoup. Nakombo tata mwana pe mwalimu santo.
Je vous en prie. Nous allons utiliser deux langues, voire ouais. Même trois langues, c'est-à-dire le français, le lingala et puis, si vous voulez, le kikongo. Pourquoi le kikongo? Parce que kikongo, c'est la langue de, c'est la langue qui accompagne les cultures négro-africaines, n'est-ce pas, non? Parce que Papa Simon Kimbangu, qui est le révélateur de cette culture, lui-même, il sort de la culture Congo, là où on parle la langue Congo, qui Congo. N'est-ce pas, non? Voilà. Donc, raison pour laquelle nous allons utiliser trois langues. Le français, le lingala et le kikongo. En ce qui me concerne, je maîtrise trop bien le mumukutuba. Hein? Vous appelez ça kikongo à l'état. C'est toujours le kikongo. Voilà. Merci beaucoup. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, on nous a donné 45 minutes, mais malheureusement, 45 minutes, c'est tellement trop peu. Mais je ferai de mon mieux pour essayer un peu d'être un peu bref. Et d'autres choses qu'on ne va pas expliquer, peut-être quand vous allez poser des questions, certainement on pourra répondre. Bon, je pense que si je parle en français, tout le monde écoute bien, non? Il n'y a pas quelqu'un qui a des difficultés. Parce que nous, on est un peu beaucoup plus habitué en français, mais ça ne dérange pas avec les lingala aussi, c'est notre langue. Hein? Je vous en prie. Donc vous allez m'excuser si j'utilise tellement trop le français. Bon, tel que Papa Nzinga nous a dit, la fiche technique a été faite. Mais malheureusement, comme il est malade, bon, on n'a pas saisi la fiche technique. Sinon, normalement, tout le monde allait avoir sa fiche. Bon, on va aller tellement vite, parce que si chacun de nous avait sa fiche, ça aurait dû nous faciliter la tâche. N'est-ce pas, non? Bon, quand cela ne tient, je vais lire rapidement, et après, on va rentrer dans le vif du sujet. Bon, aujourd'hui, le sujet du jour, comme nous avons des tableaux, c'est bien. Notion sur la généralité. Notion sur la généralité des écritures. C'est très important. Je vous en prie. Nous, nous sommes de Mkwamazai ou bien de Mkwandwenga ou bien des acteurs de Mandomé. Une nouvelle science, une nouvelle épistémologie. Alors, je vous en prie, c'est tout un concept, l'écriture. Alors, quelqu'un qui veut normalement rentrer dans l'étude d'une écriture, il doit avoir une notion générale de l'écriture en soi. Il dit qu'il y a l'écriture, il faut aller à l'écriture et à la définition de l'écriture, l'importance de l'écriture, la pertinence de l'écriture, et puis, il y a l'écriture, l'écriture, peuple. Vous me saisissez, hein? Donc, tu ne peux pas seulement te pointer sur le mandomé, et quand tu vas être devant les gens, tu expliques le mandomé, qui est aussi une écriture en soi. Mais les gens ne vont pas te comprendre parce que l'écriture commence quelque part. Donc, dans toute chose, il y a toujours un début. Voilà. Alors, notion sur la généralité des écritures. Je vais rapidement. La matière, comme dans la fiche, on nous a souvent l'habitude d'écrire. Bon, intervenant, c'est moi. La matière, s'informer sur la réalité intégrale de la notion d'écriture pour comprendre la grandeur de la mission universelle du SEMA, laquelle consiste à réorienter les systèmes de pensée des Noirs. Bon, je vous en prie, ce n'est pas la peine d'écrire pour l'instant parce que vous en aurez. Hein, la fiche technique, là, dès que papa va les saisir, et puis vous en aurez. Donc, on va s'informer sur la réalité intégrale
de la notion d'écriture pour comprendre la grandeur de la mission universelle qui est la nôtre, hein, la mission universelle du sémant, laquelle mission consiste à réorienter les systèmes de pensée du noir. Donc, les années dans ma carrière, c'est surtout où il y a Papa Diangienda. Papa Diangienda, la mission de l'Union c'est là qu'il y a un mot. Où il est commis à Papa Simon Kimbangu. Qui en a dit? Quelques motoboïdes de Ouda, rapide. Quelque part, ils sont tous allés désorientés. Alors, Mandombe, il faut permettre de réorienter le système de pensée de Bissot Baïno pour être en un stade de développement. Ni t'étais cela, rien à faire. Parce que nous sommes désorientés. Alors, on va expliquer tout ça. Bon, généralité sur les écritures. Introduction. L'ère de la lumière d'un peuple ou d'une civilisation commence là où celui-ci arrive au niveau de dissocier la langue et l'écriture. Ah, bah, il y a ici, vous lumière est quand il y a une civilisation ou un peuple, s'il parvient à dissocier la langue et l'écriture. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui confondent l'écriture à la langue. Pour moi, la banlieue, on me dit que c'est bien. L'écriture n'a pas la langue. Mais c'est déjà un défaut. Parce que la langue, c'est une autre chose. C'est une chose. L'écriture, c'est une autre chose. Mais ce sont des éléments coexistentiels qui vont ensemble. D'ailleurs, vous les connaissez déjà. C'est une matière, je suis en train de faire seulement un rappel, mais je pense bien que vous connaissez cela. Alors, ça serait mieux pour ceux-là qui n'ont pas eu cet espace de temps pour mieux comprendre cela. Parce que nous devons saisir cette portée. Sinon, à quoi bon on peut nous appeler des acteurs de Mandombe, des Nkwamazay ou bien des Nkwanoé et des Nkwanoé. Alors, je vais demander à la salle. Que signifie la langue? Qui peut me répondre? En lingala, en mounoutouba ou en français? Que signifie une langue? Qui peut me répondre rapidement? Rapidement, je vous en prie. Moi. Allez-y, papa, rapidement. C'est une support de communication verbale. Merci. Qui peut encore donner une autre définition? Qui peut un peu changer rapidement. C'est un outil qui nous sert pour se communiquer. Très bien, merci beaucoup. Vous pouvez être vraiment dans ma boîte. Ah oui, hein? Parce que ce n'est qu'une petite définition, mais tu pourras voir, certaines personnes auront des difficultés pour répondre. Une définition simple. La langue, c'est l'expression orale d'un peuple ou d'une civilisation. C'est simple. C'est l'expression orale. C'est la communication, bien entendu, mais c'est l'expression orale. Alors, la définition maintenant de l'écriture. Qui peut me donner la définition de l'écriture? Qu'est-ce que signifie donner la définition de l'écriture? Une écriture, c'est quoi? Non, ce n'est pas toi qui vas répondre encore. Il faut une autre personne. Mandombe, oui. Pourquoi c'est moi qui m'en oui. Là, pour tout, c'est minoté. Mais ils ont ça là, non? Parce que vous ne pouvez pas saluer le dessin, vous saluez quoi tout le monde, vous ne pouvez pas aucun titre. Maintenant, vous retournez dans l'écriture, c'est quoi? Tu ne pouvais pas répondre. On va te prendre pour un ridicule. N'est-ce pas, non? Ah, oui. Allez, papa, allez-y rapidement. L'écriture, c'est l'identité des peuples. C'est l'identité des peuples. C'est l'identité. Merci beaucoup, mais qui peut encore donner une très bonne définition qui correspond à ma vie. Une autre personne, je ne veux pas que ça fasse le mandat. S'il te plaît, parce que la salle, on est nombreux. Allez, qui peut encore donner notre réponse? L'écriture, c'est la forme de la pensée d'un homme, mais qui s'exprime par les écrits. Merci beaucoup, c'est bien, mais allez pas rapidement, sinon on perd le temps. L'écriture, c'est un symbole, l'histoire pour écrire les langues. Voilà, c'est bon. Allez, on va voir la communication. C'est un symbole de la communication écrite. Merci. Bon, écoutez. Vous savez, hein, les Français disent ceci. Quand les Français parlent, ils parlent un français simple. Mais quand des gens qui ne sont pas français, qui ne sont pas de cette langue-là, quand ils parlent la langue française, ils se compliquent.
Hein, comme souvent on dit des gros mots, tout ça, des mots difficiles. C'est pour cela, eux-mêmes, quand ils font les informations, ils disent « le français facile ». Hein, vous suivez ça à la RFI, non? Mmh. Le français facile. Moi, j'ai donné la définition de la langue. La langue, c'est l'expression orale d'une civilisation. Donc l'écriture, c'est l'expression écrite. C'est tout, au lieu d'aller plus loin. Merci beaucoup. On continue. Ça, ce sont des définitions. Mais il y a aussi une définition étymologique d'une écriture. La définition étymologique, les concepts écriture tirent ses origines du mot latin qui signifie scriptura. Scriptura. Ça, c'est un concept latin. Donc, chacun de nous doit savoir l'écriture vient de très loin. Donc, la définition étymologique d'une écriture, ça vient du mot latin scriptura. Et scriptura, c'est la déclinaison du verbe scribere. Et scribere qui signifie graver. Qui peut encore ajouter? Graver où? Le peuple, nos peuples, hein, dans la préhistoire, comme ils n'avaient pas une écriture, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils gravaient sur le pierre. Et puis ils faisaient encore quoi? Nous tous avons appris l'histoire. Ils faisaient encore quoi? Ils creusaient aussi. N'est-ce pas, non? Voilà. Scriber signifie graver ou bien creuser. Je pense que c'est clair. Voilà. Donc, l'écriture vient du mot ou du concept ou du terme latin qui signifie scriptura. Scriptura. Et scriptura vient du verbe scribere, toujours en latin, mais en français, graver ou creuser. Ça, il faudrait que ça reste dans la tête. Ça va, hein, papa? Ça va, maman? Le maman, ça va? Merci beaucoup. Alors, maintenant la définition classique, parce qu'on a donné la définition étymologique, ça vient du mot latin scriptura. La définition maintenant classique. La définition classique d'une écriture, l'écriture est l'ensemble des signes graphiques conventionnels utilisés pour codifier le son et le ton d'une langue. C'est l'ensemble des signes graphiques conventionnels utilisés pour codifier le son et le ton d'une langue. Parce que c'est une notation, on va appeler ça son, na ton. Alors, pour nous codifier son, na ton, on ne va pas utiliser l'écriture. Parce que son, na ton, on ne va pas utiliser langue. Je pense que c'est clair. Alors, on va dire comment on va se faire. Ah, on peut avancer, hein? Voilà, allez. Je vous en prie. Ah non, ne vous en faites pas. Vous en aurez dans la fiche pour gagner du temps. Raison pour laquelle si la fiche était là, on aurait dû déjà aller un peu plus loin. Mais ça ne dérange pas, hein? Quand cela ne tient, papa fera des fiches. Bon, on rentre directement parce que je voulais mettre ici le plan de la leçon d'aujourd'hui, mais malheureusement compte tenu du temps. Donc, dans le plan de la leçon, il y a la généralité sur les écritures, les définitions qu'on vient d'étudier tout à l'heure, l'importance et puis la circonscription géographique des écritures. On va voir aussi la carte d'identité d'une écriture, bien de l'écriture. Et puis, en plus, on fera aussi la conclusion. Et enfin, on fera maintenant l'arbre généalogique des écritures. Rapidement, importance de l'écriture. L'écriture constitue l'autorité et la dignité d'un peuple. Ça, vous connaissez, c'est comme on venait de dire ici. L'écriture est aussi un élément majeur de l'unité linguistique d'un peuple ou d'une civilisation. Tout à l'heure, là, je viens de dire ça dans la définition. L'écriture est généralement à la base de la prolifération des inventions, telles que les cas de l'imprimerie. Il peut encore ajouter, l'écriture est généralement à la base de la prolifération des inventions. Donnez-moi des inventions que vous connaissez, que l'écriture est à la base. L'imprimerie. Quoi encore? Mais vous utilisez ça, tout ça. La machine à écrire. Ajoutez encore l'ordinateur. Mettez-la dans ma boucle. Je vous en prie. Moi, je suis Kwamazaï. Je suis quelqu'un qui est devant l'OB. Vous êtes aussi des Kwamazaï. Hein? Quand tu es devant
des élèves, parce qu'aujourd'hui vous êtes devenus comme des élèves, nous bien des étudiants. Hein? Il faut qu'il y ait quoi? Hein? Communication entre moi et vous. Sinon, si moi je suis devant ici, je suis en train de parler, vous ne faites que l'écouter, c'est pas bien. Il faut qu'il y ait une communication. Hein? Voilà. Alors, je donne un exemple. Jean-Paul Sartre, vous le connaissez, non? Jean-Paul Sartre. Il est de quelle nationalité? Jean-Paul Sartre. Français. Lui, il avait dit ceci. Maîtriser l'écriture, c'est détenir les moyens pour conquérir le monde. Maîtriser l'écriture, c'est détenir les moyens pour conquérir le monde. Ceux qui ont maîtrisé l'écriture. Donc, au Zubibouneli, il y a pour conquérir Mokili. Donc, puisque je vais maîtriser ma langue qui toque, je vais contourner mon audience. Donc, puisque je vais à la conquête du monde. Est-ce que vous les saisissez? Si, oui. Donc, il ne faut pas blaguer. C'est-à-dire, toute civilisation doit nécessairement passer par l'écriture. Parce que si vous êtes une civilisation et que vous n'avez pas une écriture, je vous en prie, vous n'êtes pas totalement ou complètement une civilisation. Je donne la définition de la civilisation. La civilisation, c'est l'ensemble des caractères propres ou les valeurs propres à la vie d'un peuple. Vie artistique, vie matérielle, vie scientifique, vie ainsi de suite d'un peuple. C'est ça la définition d'une civilisation. Mais je vous en prie, un peuple ne peut être appelé civilisé quand il remplit les cinq conditions fondamentales ou les cinq éléments fondamentaux. Un, je parle de la civilisation, hein, parce que nous sommes en train de parler de l'écriture, mais l'écriture aussi, c'est une partie de la civilisation. Je parlais des cinq conditions fondamentales pour qu'un peuple soit considéré civilisé. Un, premièrement, nous avons la religion. Bon, comme vous voulez, je vous en prie. Vous voulez commencer par la religion? On commence par la langue. Deux, l'écriture. Trois, la religion. 4, c'est quoi? Qui connaît? La politique. Et 5, la vie. Non, 5, la technologie ou carrément la science. Alors, quand vous avez déjà la religion, automatiquement vous devez avoir quoi? Les calendriers tels que vous venez de dire. Calendrier. Je prends un exemple. La civilisation chinoise. Est-ce que les Chinois ont une langue? Répondez. Oui. Les Chinois ont une écriture? Oui. Les Chinois ont une religion? Oui. Laquelle? Bouddhisme. Merci beaucoup. Les Chinois ont une politique? Oui. Oui, il y a une politique chinoise. Quand ils donnent, ils ne donnent pas, pour recevoir avec les intérêts. Ah oui, hein. Raison pour laquelle beaucoup de pays africains, ils tournent le dos. Ils tournent le dos, raison pour aller vers la technologie ou la science. Les Chinois ont une technologie ou une science. Exactement. Donc les Chinois remplissent les cinq conditions fondamentales pour qu'ils soient civilisés. Donc les Chinois seront civilisés parce qu'ils ont une civilisation. Oui ou non? Oui. Mais regardez par exemple, nous, les Noirs. Nous, les Noirs. Est-ce que nous avons des langues? Oui. 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 Laquelle par exemple? Le Kikongo, le Lingala, le Mnoshi, le Moshi, le Vili, le Munukutuba, ainsi de suite. Même si on appelle ça des dialectes, mais c'est des langues aussi. Est-ce que nous avons une écriture? Oui. Amen. Ah. Amen. Comme vous dites, Amen. Donc, quelque part, comme nous sommes encore en minorité, on peut dire que c'est comme si on n'a pas une écriture. Alors, raison pour laquelle nous devons aller à la conquête. N'est-ce pas, non? Oui. Nous devons conquérir tous ces mondes-là. Et nous avons le pouvoir.
Parce que quand tu maîtrises l'écriture, tu as le pouvoir. Le pouvoir d'aller conquérir. Donc chacun de nous a un pouvoir maintenant là, avec les mandolins. Ne vous en faites pas. Alors, est-ce que nous avons une politique? Oui. Les Noirs? Non, on n'a pas une politique. La seule politique que moi je connais, c'est la politique des Tintani par exemple. Des papas Simon qui m'ont dit. Mais ah oui, hein. Vous rigolez? Non, je vous en prie. Avec les Tintani, ils sont au salé Tolon à paix. Tobokola. Et les autres commencent à suivre, même les ministres, ils font un gamba pour essayer un peu de voir les bilans de papa. Mais hein, comment vous avez fait pour avoir tout ça? Allez-y, pas. Je vais vous ajouter un peu. Hein, ajouter à part ce que je vous avais dit là, il y a encore une autre. C'est auto-prendre en charge ce que papa Dengenda nous faisait ou se prendre en charge nous-mêmes. Donc, écoutez, si je parle pas des Tintani, c'est comme si il avait bien bric-bric. C'est-à-dire, le système que papa nous amène, c'est une autre politique. Mais on viendra là-bas après, hein? Peut-être dans une autre séance. Je vous en prie, papa, on continue. Rapidement, ça c'est seulement. Non, mais religion. Est-ce qu'on a une religion? Ah, voilà. Voilà. Est-ce que les Noirs ont des religions? Oui, non. Les amis sont partagés. Oui. Bon, papa répond. Pourquoi je parle? Je m'explique. Hein? Parce que spirituellement, nous sommes toujours. Vous ne connaissez pas les Occidentaux. Donc nous sommes dictés par les Occidentaux. Non. Ça nous pose la question, est-ce que nous avons une religion? Oui. Bon, l'église qui m'a mis, ce n'est pas une religion. C'est une religion. Mais je pose la question. Attendez. L'église machuaniste, ce n'est pas une religion? Oui. L'église Lassie Zéphirin, ce n'est pas une religion? Ce ne sont pas des religions des Noirs. Répondez, ce ne sont pas des religions des Noirs. Ce sont des religions des Noirs. Quand même le blanc ne veut pas, mais ce sont nos religions, nous. L'équipanisme, c'est une religion, bien entendu, commencée par le Noir, même si ça va atteindre toute la planète, mais c'est une religion avec de fondements spirituels, bien entendu, de Dieu. Mais africain, de Noirs, dont nous avons une religion. Ah oui, reconnue dans le monde entier. N'est-ce pas, non? Oui. Voilà. Allez, je pense qu'on peut enlever ces brèches-là. Parce que c'est vraiment une brèche. Hein? Voilà. Alors, rapidement, on continue. Quand bien même que ça, là, ça ne se trouve pas dans la fiche technique. Et on descend rapidement. On descend rapidement sur la circonscription géographique des Écritures. Suivez-moi attentivement, parce que, compte tenu peut-être du temps, on va parler de beaucoup de choses. Bon, dans la circonscription géographique, je ne vais pas aller en détail parce que vous aurez la fiche technique, mais écoutez, dans la circonscription géographique des Écritures, dans le monde, nous avons l'écriture latine, écriture arabe, écriture d'origine indienne, et puis la quatrième c'est l'écriture chinoise. Donc quand on parle de l'écriture chinoise, il faut voir l'écriture coréenne, japonaise, hein, de ce côté-là. Nous avons quatre grandes parties dans le monde. L'écriture latine, l'écriture du monde arabe, l'écriture d'origine indienne et puis l'écriture chinoise. Je ne veux pas m'atteler là-dessus parce que quand je vais dresser le tableau sur l'arbre généalogique des Écritures, vous allez tout comprendre. La fois passée, je vous avais parlé des quatre grands courants de pensée. Vous vous souvenez, non? Le quatre grands courants de pensée. C'est-à-dire, un, nous avons le christianisme,
le judaïsme, allez-y, le bouddhisme, et puis l'islam. Hein? L'islam. L'islam. Qui dit encore? Qui dit là-bas les kimbandisme? Quatre grands courants de pensée. Dans le christianisme, qui est, comme on peut dire, le maître, ou bien la personne qui est au devant? Jésus-Christ. Dans le bouddhisme, Bouddha. Dans le judaïsme, quand on dit judéo-chrétien, on dit judaïsme. Le père des nations, c'est qui? Jésus.